On est parti, salut tout le monde et bienvenue pour le chapitre final de Resident Evil 4 Remake. Le chapitre 16 qui va nous voir l'affrontement entre Leon et Osman Sadler, le chef de la secte des Illuminados qu'on a aperçu. On est parti, on va terminer les derniers succès à faire sur le jeu, sur cette première run. Plus on en aura, mieux ce sera. C'est toi qui l'as fait. Ouais. Ouais, c'est moi. Tu peux te lever? Un plan? Ouais, j'ai trouvé ça. Apparemment, on peut sortir en allant par là. Hé, on est une équipe, non? Continue comme ça. Et je perds mon job. C'est bien du lion tout craché, ça. Donc, tout ça, l'élimination des parasites, c'était Louis? Alors, l'ombre, cet échantillon appelé ombre est resté longtemps à prendre la poussière dans l'arrière. Comme nous avions déjà assez des champions pour l'expérience, celui-ci est passé inaperçu. À vrai dire, la seule chose qui m'a poussé à le ramener dans mon laboratoire, c'est sa forme particulière. Mais après une brève analyse, j'ai changé d'opinion. Il possède une qualité tout à fait unique. Bien qu'il soit petit dans un état de biostase, il contient le même organe que celui que nous avons vu dans l'espèce dominante, celui que nous avons vu uniquement chez Sadler. Une fois pleinement développé, l'ambre pourrait égaler, voire surpasser la puissance de Sadler. Malheureusement, Sadler a récupéré l'ombre avant que je ne puisse faire de plus en plus recherche. Il a peut-être des soupçons sur moi. Il faut que je remette la main sur cet échantillon et que je m'échappe pour continuer mes recherches ailleurs. C'est le seul moyen de contrer Sadler. Évidemment, je ne pense pas non plus que ce groupe venu d'extérieur soit digne de confiance, mais je peux plus vraiment reculer. Avec un peu de chance, j'arriverai à négocier avec eux pour qu'ils me laissent tranquille. Je n'ai pas le choix, le monde en dépend. Ouais, on est vivant. Grâce à lui. Voilà. Email à propos de notre arrangement, Louis, j'ai retrouvé les données de recherche que tu voulais. Retrouve-moi à l'endroit à l'heure convenue. Juste pour être sûr, tu vas me faire sortir si je te donne la marchandise. Hein. Heureux, à propos de notre argent 2, Aida Wong. J'espère que tu n'as pas oublié l'ombre, sans lui donner ne sert à rien. Ce serait dommage que ton siège reste vacant. Alors fais en sorte que je n'en parte pas les mains vides. Tu te souviens de la phrase de code, j'espère. Détends-toi, je n'ai pas oublié, et ne t'en fais pas pour l'ombre, je vais faire ce qu'il faut. Tu pourras me prendre un paquet de cigarettes en chemin à n'importe quelle marque fera l'affaire. Un spray. Du pognon. Alors, il y a deux moyens d'éradiquer les plagas, l'injection d'antigène et l'opération chirurgicale. Si l'œuf du parasite est encore éclos, il est possible d'éliminer en administrant un antigène directement dans le corps. En revanche, dès lors de la phase d'incubation est terminée, il n'y a plus grand-chose à faire à part ralentir la croissance du parasite. L'autre méthode consiste à cibler et tuer le plaga en utilisant des rayons d'une certaine longueur. Mais cette opération comporte des risques. Si le parasite s'est accroché au système nerveux de l'hôte, ce dernier subira une douleur atroce. Il n'existe aucune anesthésie efficace pour ce genre d'opération. L'extraction chirurgicale comporte des risques importants même avant que le parasite ait fini de se développer. Une fois arrivé à maturité, il est trop tard. Extraire le parasite signifie la mort de son. Mais vu ce qu'il me l'attend, de toute façon, la mort est peut-être la moindre mal. Oh putain, Louis Serra était un chercheur d'Umbrella, donc ça on le savait. L'équipe du choc du 6e laboratoire. Je me demande si c'est pas l'équipe qui a conçu une Némésis en Europe. L'équipe 6. Faudra que je revérifie cette info. Les intentions de Sadler, c'était une erreur de croire que les plagas ne sont que des outils servant à créer de puissantes armes biologiques. Leur véritable valeur réside dans leur capacité de contrôle. Quelle que soit la résistance du sujet, il suffit d'une seule injection pour transformer n'importe qui en un fidèle serviteur. Qui a besoin d'espions quand il est possible de se transformer les midi en allié d'aujourd'hui? Contrôler ne serait-ce qu'une seule personne importante peut suffire à mettre une organisation, voire un pays tout entier, à genoux. La production de masse de l'espèce supérieure a rendu cela possible. Nous avons donné ce pouvoir à Sadler. Il n'y a aucun doute sur ce qu'il compte faire. Que se passerait-il si Sadler prenait le contrôle du monde? 6 milliards de nouveaux serviteurs à sa botte, il n'y aurait ni résistance ni guerre. Peut-être que pour la première fois l'humanité, le monde connaîtrait la paix.
Mais je sais combien Sadler et les autres ont oppressé les habitants de cette île durant des générations. Je sais comment ils les traitent. Et ce n'est pas une vie. Il est hors de question que je le laisse faire. Bon, déjà, on a des petites choses à les récupérer. Alors là, il faudra monter. Là, on va monter après. Bon, déjà, je retourne vite fait au sanctuaire. Regarde, on pourrait utiliser ça. Ok. Dis-moi qu'on peut retourner au sanctuaire avec ce chemin-là. Désolé. Je t'ai dit, on est une équipe. Dis-moi que l'échelle rectangulaire nous permet d'aller par là. T'as Parfait. pris le coup de main. T'as vu? T'es sûr que ça va? Ah, j'ai jamais été aussi bien. Tant mieux. On va prendre des munitions de fusil déjà. De la petite ferraille, ça c'est parfait. Alors, on s'est refait un stock de balles. Tout est en ruine. Cette femme qui nous a aidés, tu penses qu'elle va bien? Oh, je m'en fais pas pour elle. Tu sais, elle est plutôt du genre coriace. On dirait que tu la connais bien. On dirait que tu la connais bien. Il va pas me dire que... Ah tiens. Saleté. T'es sérieux, je peux pas aller par là? Attends. Je peux monter quand même. Merci. Là, je peux encore monter. Normalement, il y a un moyen d'aller là. Non? Fallait que je me baisse en fait, ok. Good. Je trouve ça fou. Wow. Ok. Parfait. Et normalement, il y a un putain de trésor à la con. Ah bah, il était là, sur le truc, ok, pendentif des Illuminados. Et dans les profondeurs du château, j'ai trouvé ma foi, contemplé les vestiges divins laissés sur Terre, tout commence ici. Adam Sadler. Bon. Donc c'était l'avant-dernier. Ok. Va
facile. On l'a grillé à des kilomètres. Ok, donc là normalement c'est le dernier. Et logiquement là c'est le dernier trésor de l'île. Un lingot d'or. Succès déverrouillé, l'île au trésor. Ça nous en fait 26. Eh, 26 hein, sur les 39. Hein. Pour une première run, et c'est pas encore terminé. Il y en a encore un ou deux à faire, peut-être 3. Il y a 3 ou 4 sur. Voilà. Bon. Ouh, toi tu dégages l'odeur du combat, l'ami. Ok. Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Rien de plus facile. C'est du bon travail, si je peux me permettre. La clé de Louise, le pendentif et ça, c'est de là. Merci. Est-ce que je reprendrai pas du Killer 7 là? Je vais monter si sa puissance veux, un peu. C'est un travail qui demande de la finesse, étranger. De petits ajustements peuvent faire toute la différence, tu verras. Un couteau a besoin de cadence de tir. Ça t'épate, hein? Ah, tu sais, j'ai pas toujours ça en stock, étranger. En quoi, s'il te reste des choses à faire, tu ferais bien de t'en occuper avant d'aller par là. Ce serait vraiment dommage d'avoir des regrets pour le restant de tes jours. Tu crois pas? En gros, ça te fait sous-entendre que bah, tu pourras plus revenir ici après ça. Et attends, mais j'ai pas besoin de monter MP, bienvenue. Moi. Pas des munitions, en tout cas. Trésor ou babi, une affaire bien conclue. Reviens quand tu veux, surtout. Bon. Wait a second. Ada. Il essaie de m'appâter. Bon, je vérifie que j'ai rien oublié. Bon, j'ai le killer set, j'ai quand même pas mal de choses. Peut-être une grenade lourde. Servira. Reste là. J'en ai pas pour longtemps. D'accord. Anna ! Joli. Ça c'est pas mal. Oui.
Ça y est. Le combat final contre Saddler est officiellement lancé. Maintenant, je fais juste ce que j'ai à faire. J'ai tout ça, j'ai ça, j'ai ça. Attends. Ok, là je suis mal parce que... Bon, on va vite se sortir de ce qui est pied. Wow. Vite, recule, recule avant qu'il te fasse un balayage ou je ne sais quoi. Là, je peux pas aller par là, c'est embêtant. Il va pas me lâcher lui. Ok. Attends. Grenade lourde peut-être. Décidément, il n'est pas bien fait. Wow. Ok. Il y a un autre œil là que j'arrive pas à choper. Cours. Balle de magnum, ça c'est plutôt destructif effectivement. Bon, ça va, j'ai encore un peu de soin en avance. Ok. Il y en a encore un dans le dos en fait, c'est ça le problème. Ouais, il se replie à l'autre bout, quoi, il abuse. Ok, c'est mis dans le parfait. Il me
faire dégommer. Ouais, bah oui, bien sûr. J'ai un peu du mal à te laisser partir. Ouais, bien sûr. Premier équipe tombe. Bon, faut peut-être me soigner parce que sinon là je suis cuit. Parfait. Non. Ah. Ok. Il est pas encore mort. Ok. D'accord. Oh. Espèce de gros dégueulasse. Tu fais quoi là? Tu commences vraiment. Allez Léon, ça y est, je pense qu'il y a une deuxième phase, j'espère qu'il n'y en a pas une troisième, pitié. Enfin un look qui convient, Sailor. C'est de là ce genre de dehors. Courage, tu dois écourter son jeu. C'est pas moi le problème, c'est toi. Ok. D'accord. Ok. Aïe, ça, ça fait mal, monsieur. Ok. Ok. Faut esquiver, d'accord, j'ai compris. Et selon le cas, il faut... Hop. Ouh, ça me plaît ça. Est-ce que c'est le même descriptif? Voilà. Je vais déverrouiller, mourir, reste mourir. Dégueulasse. Ouais, il se désagrège enfin. Pas mal, Léon. Louis et moi avions un accord. T'en fais pas, j'en prendrai bien soin. L'hélico est là. Tu viens? Je crois qu'on sait tous les deux que c'est ici que nos chemins se séparent. Je vois. C'est une belle femme, le modèle d'Aida Wong sur ses remakes. Tu ferais bien de bouger. Charmant. À la prochaine, Léon.
Ouais, ça veut dire que vous allez vous revoir, ça, tout dire. Léo ! Elle va où ? J'en sais rien. Je comprends pas. Pourquoi est-ce que... On se tire. L'île va sauter. Elle va quoi ? Elle va sauter. Ok. Il faut bouger. Il y a encore le compte à rebours comme dans l'original ou pas ? Ok. On va pas traîner alors. Je vais vite enregistrer là deux fois, vous comprendrez pourquoi. Ok, on se casse ici. Ouais. Vite. Ok, parfait. Maintenant on court, on court. On va enfin rentrer. C'est pas encore fini. Ok. Allez, go 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 go. On trace. Alors, il est où ? Ils sont perdus sur leur maître. C'est fini pour eux. Te voilà. Ok, petite révolution. Ça qui comme succès, c'est bien. On va tenter. Voilà. Donc là, comme Sadler est mort, les Plagas meurent et l'hôte avec, ok. Ouais, pour eux. Donc ça, c'était l'avant-dernier succès. Et là, il y en a un qui peut être compliqué, un petit peu difficile à faire. Alors, on va voir. Alors, c'est où à gauche, à droite ? À droite, ok. Donc là, le plan, c'est de prendre aucun dégât sur le scooter. C'est l'un des succès qui peut être un peu chiant, on va dire. Voilà. Donc là, faut juste faire attention. Pour ça, on n'a pas pris de dégâts, je crois pas. Attention, attention. Là, je vais accélérer un petit peu dans les sauts. Attention. Ouf. J'ai pas pris de dégâts. Alors, il faut aller où quoi ? Là, ok. Tranquille. Oui. Permis plaisance. Ça pourrait être dingue, c'était dingue cette aventure, tu m'étonnes. Mission accomplie. Elle sera accomplie. Quand tu seras chez toi. Merci de m'avoir sauvé. Il y a pas de quoi. Tu sais, je pourrais glisser un mot à mon père pour que tu sois mon garde du corps si ça te dit. T'as pas besoin de moi. T'as prouvé que tu savais te défendre. Même s'il faut que tu fasses gaffe avec les couteaux. Avec les couteaux ouais. Allez, on rentre. Enfin, retour au Bercail, mission accomplie pour Léon, enfin quasiment accomplie, il faut qu'il la ramène aussi. Hein.
Faut pas qu'il l'oublie. Condor 1, Perchoir à Condor 1, tu me reçois? Réponds. Benigan qu'on revoit Benigan un petit peu, ça serait bien, cool. Mais là j'ai bien aimé le fait qu'ils ont pas réussi à pirater la communication là. Il n'y avait plus de réseau du tout, ou alors ils ont réussi à mettre un brouilleur, je sais pas. Mais je trouve que c'est un changement scénaristique intéressant. Et Krauser aussi c'était pas mal. Juste passer cette cinématique. C'est le... Ah, l'ombre. Qu'est-ce qu'elle va faire, Ida? Passe-le-moi. J'ai obtenu l'ombre. Excellent. Est-ce que c'est qui je pense? Est-ce que j'ai vu quelqu'un en haut à gauche aussi? Qu'est-ce que vous comptez en faire? Je ne te paie pas. Salber Wesker. Tout ce que tu dois savoir, c'est qu'une nouvelle ère se profile. Une centaine de personnes mourront pour qu'une seule survive. Et moi, je suis le moteur de ce changement. Donc, on parle de millions de victimes. Milliards. Et le prochain remake, c'est le remake du 5. Vu qu'il y avait le celte qui était de Tricel, le Tricel Industries dans le 5. Ok, donc pour moi le prochain remake c'est le 5. Et comme je le cadre, je sais pas si on le verra un jour. Par contre, s'ils font un remake du 5, ils vont être attendus au tournant pour le co-op à mon avis. Et éviter le multijoueur. Allez! C'est la cinématique en du. Du jeu. Bon, je pense qu'on aura un rang B en standard là. C'était la première run. Ouais. C'est le succès déverrouillé, l'homme de la situation. Les ténèbres avant l'homme, mourir, reste mourir, permis plaisance, l'homme du trésor, petite révolution. Voilà, on a débloqué la tenue mafia, le couteau de survie, les lunettes rondes, le masque, le chapeau d'aviateur, ok. Bah du coup, c'était le dernier chapitre 16 de la run sur Resident Evil 4 Remake. J'espère qu'il vous a plu, on a fait pas mal de succès. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, ciao ciao.